Retwitch, salut YouTube, toujours en direct sur Ivasan Studio. Nous sommes sur Légende Pokémon Arceus et je suis dans les Terres Immaculées. Nous allons nous diriger vers le temple de Frimapic afin d'aller chercher un autre légendaire et surtout une plaque supplémentaire pour possiblement aller capturer par la suite Arceus. On est sur le contenu juste après la fin du jeu. Je vais essayer de grimper, tant bien que mal. Bon, on va dans le temple. Qu'est-ce qui nous attend dans ce temple? C'est une très très bonne question. Dans ce temple, on était en... Ça doit être Régis Gigas. Et pour Régis Gigas, normalement... il faut les trois golems d'avant. Bon, il me semble que c'est ça. Il y a l'archéodon qui m'embête. Là-bas. On va voir s'il est capturé. Allez. Là il y a un Nosferap petit. Ok. Bien, maintenant que je suis ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Adamantin, Diaï, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tout vu, t'es venu percer les mystères du temple de Frimapic, c'est ça? T'as le don pour mettre le nez dans de drôles d'histoires. Bon, je vais t'expliquer. Derrière cette porte, dort un Pokémon si fort qu'on raconte qu'il aurait amené les terres au sud, qu'il aurait amené les terres du sud. Le problème, c'est qu'on peut pas ouvrir la porte. Bah, je fais quoi dans ce cas? On peut pas ouvrir la porte. La plaque roc, la plaque fer et la plaque glace réagissent à la porte. Donc j'ai bien fait d'aller faire des légendaires avant moi pour avoir ça. J'ai fait dans le bon ordre. Alors, t'as ouvert la porte? Bah, ils sont où mes camarades? Ils sont barrés. D'accord. Sur la droite, sur la gauche, il n'y a rien. Il dort pas, on est d'accord. Ouais.
Ah non, il dort. Il m'a pas vu. En bas, il y a deux archéodong, dont un petit. Alors du combat. Trois. Il va m'endormir. Peut-être les capturer. Par contre, il n'y en a que deux dans le combat alors qu'on avait trois dans la salle. Pas brûlé. J'espère que mes camarades vont me heal avant que j'aille voir le golem en bas. Mettre une super bol, je vais pas gaspiller. On va voir si ça passe. Ah bon, ça passe. Ah mais c'est Régigigas direct. J'aurais pensé qu'il y avait il y aurait eu plus de... Il y aurait eu les golems d'avant. Mais attendez, vu qu'il y a un truc là, on va se heal de suite. Parce que sinon on va prendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est gigantesque. C'est un Pokémon, en tout cas c'est la vision que j'en ai. Enfin je crois. Si c'est sûr, c'est un Pokémon, j'ai bien vu. J'ai vu aussi qu'il allait bientôt se mettre à bouger. De toute façon, je vais pas avoir le choix que d'avancer. Il est 70 là quand même. Comme les autres. Hein, voilà. Est-ce que je vais réussir à le capturer ou est-ce que je vais le mettre KO? Ça, c'est une bonne question. Il va falloir qu'il réponde. On traverse le combat. Bon, je perds déjà diffusion. Tenter tout raptor. Ah, j'ai peur que le close combat des tout raptor fasse beaucoup trop de dégâts. J'ai plutôt lancé une lame d'air. Ouais, je pense que j'ai eu bien fait. Allez, critique pas, critique pas. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Allez, on y va. Oh punaise, c'est libéré. Le Raptor résiste au Giga Impact. Non, 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 non. Je veux le capturer, je veux pas le battre. Voilà. Tout simplement. La plaque renouveau. C'est quoi la plaque renouveau? Du type normal, d'accord, ok. Il était vraiment gigantesque, on aurait dit l'incarnation de la puissance de la Terre. Ah là là, oui c'est ça le travail du corps des chercheurs.
Je me demande quel genre de Pokémon t'as attrapé. En tout cas, j'ai hâte de lire sa page Pokédex quand tu l'auras complétée. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que le professeur va écrire à son sujet. À la prochaine. Il reste une plaque à trouver. On va se diriger vers là. J'irai me heal plus tard. Parce que il y a des arbis qu'il me manque. Je voudrais prendre un peu de hauteur. Il y avait une histoire de glacier quelque part. Pente de l'avalanche ou la source. Source là-haut là. Oh non, là je suis venu. Derrière moi là-bas en fait. Centré de la reine, non. Moi c'est à la source que je vois. C'est quoi qu'on a en bas comme Pokémon, je vois pas d'ici. Un excellent. Ok. On va grimper. Vous allez voir le brouillard, c'est ça? Eh oui. Il y a le brouillard. Zarbi là. Il n'y a pas de Zarbi. C'est quand même particulier cette zone. Bon. Il y a le bivouac qui est à côté, au pire. Il faut quand même heal. De l'avalanche. Je pense qu'il y a quelque chose de vers la pente de l'avalanche. Donc là-bas. Pour moi, il y aurait quelque chose là-bas. Je pense. Il n'y a pas une flamme sur ce petit truc là. Hop hop hop. J'en ai pas des comme ça. Voilà. Ah, je suis content. J'en avais pas. Ici déjà 6. Il me manque 6 flammes.
Ça va être une belle paire de mains. Il y avait un mammouchon aussi qui avait fallu capturer qui était proche du glacier du milieu. Je me rapproche juste un peu du sol pour voir des détails que je ne vois pas forcément. Il y a une flamme en bas. Il y a un combat aussi au passage, bonjour madame, mais d'abord la flamme. Plus que 5, je le note. Et là, la madame, elle veut se battre. Un Pokémon. Un bizarre. Ah, il est 62 quand même. Hein. Voilà. Je l'ai fait fondre. Sur Evoli. Taille, poids, partenaire, niveau d'XP suivant. Charge, attaque. Ça, c'est PV, attaque, non, c'est pas ça. On peut pas voir son taux d'amitié ou quelque part. Non, je peux pas voir. Dommage. Là, il y a un mammouchon. Non, il me reste. On va voir s'il est capturable d'ici. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Ça passe pas à travers le décor. Tant pis. Désolé le mammouchon.
Va vers là maintenant, peut-être que j'arriverai mieux à te voir. Alors non, c'est pas toi que je visais. Ah mais je l'ai capturé ma mouchon. Bah au moins ça c'est fait. Des tâches tant qu'à faire. 8 sur 10? Bah attendez. Oups. Oups. Allez. Allez, tu me vois pas, relation, va-t'en. Hey, il m'a vu, hein. Ah, il y a le Seracrol que j'ai pas capturé l'autre fois. Hop là. Allez, cours, cours, cours. Ça va disparaître. Eh oui. Là, il y a le Seracrol. Pareil, on va lui donner à manger. On tente de le capturer. Allez, capturé. Seracrol, c'est fait. J'en avais pas encore. Je suis content. Bon, il fallait qu'on fasse quoi là? Je suis à jour de mes missions. Non, il faut que j'aille à l'arène de la lune dans le contrefort couronné. Et au passage, il y a le sombre cauchemar là-bas. Bon, les flammes, voilà. Il fallait que j'aille attraper des monsieur mimes quelque part parce que j'ai des missions. Pardon, secondaires. Qu'il me manque. Là c'est 17, 22, 93 que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me manque la 17. La 17 elle est là-haut, pardon. 18, 19, 20, on est bon. 21, c'est Monsieur Mime. Il me manque la 22. Qui est là-haut. Ensuite, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, on est bon. 31, 32, 33, 35, on est bon. 6, 7, 8, 9, 40, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 45. 50, on est bon. 51 jusqu'à 55, c'est bon. 56 à 60, ok. 62 à 65, ok. 66, 70, c'est bon. Il manque la 72. Il me manque la 74. La 74 que je vais peut-être avoir dans pas longtemps. La 72, il faut que je sais pas comment la déclencher. 75, 76, 77, 78, 79, ok. 80, 81, 2, 3, 4. Il manque la 85. Faut que j'aille attraper un Eoko. 6, 7, 8, 89, 90, la 91. 92. Il manque 93 et 94, je crois. Donc il me manque quand même des choses. Il me manque un Eoko. Et un Eoko, ça s'attrape. Bah, ça s'attrape par ici, en fait. C'est dans cette région, un Eoko. C'est dans les grottes, il me semble.
Il est avec eux, le Eyuko, je crois. J'espère qu'on va pas me demander encore des pages. Je suis où là? Là-bas. J'arrive pas à retrouver la petite zone que je cherche. Des strates de glace quelque part. Là-haut, le rocher Esprit, je crois que les arbis, on l'avait eu. Ça me parle. Pas de flammes, on les verrait, je pense. On peut pas grimper sur ça. Donc, les arbis, bon, il y avait bien les arbis que j'avais déjà ici. Il n'y a rien ici. Bon. Faut essayer d'aller dans une grotte. Je vais faire le tour en fait. S'il te plaît. Ah là, il y a une grotte. Ah, le gamin qui dort. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un Eoko là-dedans? Il me semble que c'est dans ces grottes. Hein. Là-bas, c'est le livrier. Et là, c'est une sortie de nouveau. Ah, la poussière étoile, carrément. J'en avais pas. Ah ben comme ça c'est fait. Je n'en avais pas. Ok. Bon. J'aimerais bien trouver un monsieur Mime quand même pour déclencher une mission. Mais sinon... Il faut aller... le mont couronné. Il doit y en avoir des monsieur Mime dans le mont couronné, je pense. Bon. Zarbi, flamme, on verra plus tard. Tant pis. Ça, c'est à vendre. Et ça, c'est à vendre. Tout le monde va bien dans mon équipe. Oui. Allez, on s'en va.
rentre au village. Et on a des missions secondaires, tant mieux, ça m'arrange. On a des missions secondaires. Ah, le l'euphorie. Ah, elle me donne une mission. Mais pourquoi je peux pas... rentrer et ressortir dans le bâtiment, moi. Mais avant ça, mission secondaire, l'euphorie, il est dans les terres immaculées, j'en viens, mais j'en viens. Je vais juste rentrer, je rentre et je ressors du bâtiment. Juste pour aller chercher la quête. Ah voilà. Sans soignant. Au verger en plus, mais ils font pousser des noix grumes au verger. Soignons, tu vends des soignons toi? Non, c'est qui vend des soignons? C'est toi là? Ouais, 120, ça veut dire dépenser 12 000. Des soignons ici, j'en ai déjà, on réorganise, j'en ai 10. Ouais, d'accord. Il en faut 100 quoi, sérieux. Non, peut-être pas 999. Non, 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 non. J'espère qu'elle paye un bon prix. Ça m'a coûté 12 000. Ça c'est fait. Oignon, c'est fait. L'euphorie, la quête est prise. Il manque la 21 et la 85 que j'ai pas encore. 21, 85 et après dans les derniers. Ah, elle m'a donné des aromates. Ouais. Ouais, moins, moins. On va récupérer notre récolte commandée. Des noix grumes. On continue avec les noix grumes. Attends. Oui, si.
Tac. On va à la porte principale. On va dans le coffre. Et on repart. On va à Frima Peak. Sinon c'est pas drôle. Là d'où on vient, on revient, c'est. Je reviens là où j'étais. Et. Ah bah c'était l'autre glacier, l'autre bivouac. Bon, qu'est-ce que tu veux? Glacier Seracrol. Il est là-bas. C'est parti. Au passage, j'ai un colis pas loin. Ah oui, tout droit. Il y a des Pokémon que j'ai pas là. Punaise, il m'a vu. Je l'ai pas encore capturé, lui. J'avais déjà capturé, autant pour moi. Je m'en souviens plus. Bon, le colis, je me suis perdu. Droit là-bas. Ok, je le vois. Et la madame, elle est là-bas. Salut Seracrol. Mais je crois que j'ai volé en premier, au secours. N'attaque pas s'il te plaît. Ah bah tiens. L'euphorie qui a soigné tout le monde. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Et il se barre. Ah non. Et il soigne aussi l'autre. Pierre éclat. Oh. Très bien. Niveau mission, je suis bon. Il faut aller dans l'autre zone. Il faut aller dans l'autre zone. Bon, il manquera toujours des Monsieur Mime et des Oko. Non, j'avais pas fait gaffe s'il m'avait soigné. Retourne au village.
on va sur les contreforts. Par défaut, j'ai mis le bivouac des cimes, en fait, j'en sais rien. Bah, si, si, l'arène. Attendez, je crois, je suis pas sûr en fait. Si, si, c'était là. La plaque de l'arène de la lune. Ok. J'aurais voulu des monsieur mimes aussi. Hein. Camille ? Et la madame ? J'imagine qu'une demi-portion comme toi ne doit pas savoir grand-chose, mais au cas où, est-ce que tu connais un Pokémon qu'on appelle Cresselia ? On va dire oui. Vraiment, après tout, je suppose que ça fait partie de la culture pop. Je suis bon prince, je te l'accorde. On raconte que Cresselia est l'incarnation du croissant de lune. Il paraît que si on tient l'une de ses plumes lunes en dormant, on aurait un sommeil rempli de rêves. C'est un véritable cauchemar, vous voulez dire. Depuis que Cresselia a élu domicile à l'arène de la lune, le roi des grottes ne sort plus. Je me fais tellement de soucis pour Electrode que je n'arrive plus à fermer l'œil. J'imagine que tu pourrais attraper Cresselia et récupérer l'une de ses plumes lunes, non ? Fais-le, pense à Electrode. Je sais que l'arène du roi est un lieu de rêve pour tout Pokémon, mais il y a des limites. D'accord. C'est un Pokémon, ça ? Il ne m'a pas vu. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Les commandes sont complètement inversées. J'ai peur de le mettre KO. Ça passe. Non ! Ah, vous devez attraper ! Oh, ça va. Par contre, non, non, on se casse. On se casse, on se casse. Faut que je me heal. Donc, on est obligé d'attraper l'intégralité des légendaires. D'accord. D'où le fait que ce soit plus simple de les attraper. Ok, commande inversée. Et il recommence de nouveau à attaquer. Ok. Tente pas de l'attaquer plus. La Black Ombre.
mission accomplie. Il faut, on a toutes les plaques, il faut aller voir Panthère. La dernière des plaques. Mais avant ça, déjà on va se prendre. Qu'est-ce qu'il veut gagner? Non, oui, non, non, c'est pour relancer un combat contre un gardien. Non, 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 non. Ah, on va rire. Ouais, point cadeau. Point colis, pardon. Voilà. Point mission. Retourner voir Panthéa et il faut voir le sombre cauchemar que la nuit près de la falaise Calade. La falaise Calade, elle est à l'autre bout du monde. Ok, que la nuit. Et dans cette zone, trois flammes il me manque ici. Alors par contre concernant les arbitres, je suis perdu. La petite chute là. Derrière moi. Cool. C'est fait. Il me manquait des arbis. Je ferai ça plus tard, une autre fois. Là, vraiment. Tout ce qui est flamme et arbis, je suis un peu perdu. Faut que je fasse un peu le point. Donc, je suis un peu paumé. N'empêche pas que je puisse peut-être en trouver par hasard. Parce que là, les arbres, franchement, je suis à 21 sur 28. Donc ça va. Au côté objet, on m'a donné des trucs. C'est rien qui se vend. Bon, bah ça va dans le coffre. Ok. Deux légendaires. Retourne au village.
pas de quête secondaire, c'est bon. J'ai vu 196 Pokémon, j'en ai attrapé 162, et si je me trompe pas, au total, il y en a 242. J'ai raté beaucoup de Pokémon, en fait, et c'est surtout sur des évolutions, je pense. On part de suite, vite fait, mais vraiment vite fait, au marais. Je crois qu'il y a un truc qui m'intrigue, on va le chercher de suite. Et en plus, il manque beaucoup de flammes au marais, donc... Si on voit des flammes, elles sont censées briller dans la nuit. Elles sont censées briller dans la nuit. Ah bah tiens! Comment j'ai fait pour la rater celle-là? Allez, le marais. Je te dis. C'est ça. Là, celle-là, pour la rater, je sais pas comment j'ai fait. Ou alors, vous avez vu, je m'en souvenais pas. Oh! Oh! Mais regardez qui voilà! Regardez qui voilà! Ça alors. Voilà. Ah oui, mais c'était les madames ici, les voleuses. Donc sur les hardis, 22 sur 28, plus que 6, c'est bien. Il y a un truc qui vole là-bas. Non, c'est moi qui vole. Avec le brouillard, on voit pas grand chose. Hein. Mais les flammes se voient. Normalement. J'ai juste un tour vite fait. Histoire de. Un zombie par là. Par un endroit. Il y a une flamme en face, on la voit. Regarde, c'est dissipé parce que le jour se lève, c'est super. Pas de zarbi non plus. Et la flamme, elle est là-bas. Celle-là aussi, je sais pas comment j'ai fait pour la rater. Hop là, plus que 9. Alors, dans les Pokémon ici, Meloquic, je sais pas si je l'ai... Non, c'est un arbre. Je sais pas si je l'ai déjà, Meloquic. On va lui donner à manger. Sans l'attaquer, bien sûr. Il fallait que je le vise directement. Baron en plus. Non, c'est pas un baron. C'était pas un baron. Et j'avais déjà aimé le coup. C'est pour être sûr.
Comment dit-il? Oh, Evolipé! C'est l'heure de l'évolution. Ok. Allez, le monsieur qui gère mes Pokémon. Alors, pâturage 24. Ah, j'en avais 16 avant. Nymphalie. Je te déplace. Tu vas ici. 3, 6, 7, 8. Il me manquera d'autres Evoli. Je prends ce Evoli. Et il faudra que je pense à ne pas avoir de type fée sur moi. On va nettoyer tout ça. Les arbis, il faudra les reclasser aussi. Toi, t'es un légendaire. Tu viens... Je vais mettre les légendaires en 17, en fait. Déplacer. Déplacer. Je vais y arriver, oui. Voilà. Palkia, viens ici. Ici. Ensuite, ça c'est pas. Ça c'est un légendaire. Ensuite, ça c'est pas du légendaire. Seracrol, c'en est pas. Grelasson. Grelasson, l'euphorie. Ça, Régigigas, c'est un légendaire. Ensuite, ça c'est un légendaire. Ça aussi. Lui aussi. Ça c'est un légendaire. Ça non, ça oui. Et si non. Papinox, Blindalis, Muscu, tout ça non. Muflodocus non. Blizzy, Goupix. Et avant les Goupix, normalement c'est bon, je suis à jour. Du moins je pense. Galam, c'est pas un légendaire. Galam, c'est pas un légendaire. Il faudra que je trie les arbis aussi, que je les mette sur une page à part. C'est quand même le bordel. Là, il n'y a pas. Ok, on est bon, on est à jour. Oui, je collectionne les Magikarp. Les Fion, ils sont là. En page 10. Il y a beaucoup d'écaillons. On est d'accord que là, il n'y a pas d'autres légendaires. Normalement, on est bon. Simiabras, il est un peu à côté. Oui, d'accord. Il y a des trous à combler, hein. Et les Pokémon que je veux garder sont là. Les deux starters qu'il faut que je mette après dans mon équipe. Enfin, plus tard. Ok. Où est-ce qu'on va? Ah oui, je voulais des Monsieur Mime aussi. Non, Flamme, Seriflore, il est pas là. Et je voulais des Monsieur Mime. Mais ils sont pas là, les Monsieur Mime. Monsieur Mime et Eoko. Pas de mission secondaire. Ok. Bon, on s'en va.
On m'a apporté, oui, bon blabla. Des... On va vite fait passer dans les plaines, il y a des Monsieur Mime Junior. On va forcément les attraper. Ils sont à l'autre bout du monde. Alors on y va. Et dans les plaines, tant qu'à faire, on est sur deux flammes manquantes encore. Et les arbis à jour. Mais il manque quand même deux flammes. Encore plus bas. Je peux pas beaucoup aller dans cette région, c'est vrai. Peut-être une flamme. Oh là là, Kazem. Yes! Alakazam 60. Ah, je viens d'Alakazam. Nickel. Ça, je suis content. Il y avait quelque chose qui me popait là-bas. Quoi? Ah, c'est Abra. Mais à des Abra, j'en ai pas. J'ai pas d'Abra. Il s'est barré, il n'y a plus le Abra, il s'est barré. Bon, on va falloir s'occuper des Monsieur Mime, sinon eux aussi ils vont se barrer. Il est là. Ça, c'est pas cool, hein. Le lion électrique qui m'a aggro, c'est pas vraiment pas. Ah, ils sont en bas. Personne m'a vu.
Il y a même un baron. Mime Junior, on va voir leur Pokédex. Monsieur Mime Junior MR. Ici. Il faut en attraper 100 qu'ils me repèrent 2 et leur donner à manger. Ah bon? Leur donner à manger et 100 qu'ils me repèrent. Voilà. Mime Junior, attrapé, ça c'est bon, nourriture, nickel, tout est à jour. Tout est à jour sur Monsieur Mime Junior, mais ça ne m'aide pas sur les Monsieur Mime tout court. Où sont les Monsieur... Oups, toi tu dors. Toi tu dors, tu m'as souvent embêté, j'en profite. Vilaine bête. Ok. Bon. Pourquoi fallait que j'aille dans la plaine déjà? Oui, pour les Monsieur Mime. Les flammes, mais bon, les flammes, on verra. C'est tout. Déjà pas mal. Et un Abra, les Abra, les Abra, les Abra. Si je trouve. S'il s'échappe pas, ça c'est une autre affaire. Ça évolue, hein, Monsieur Mime Junior? Je veux dire que oui. Je sais pas à quel niveau c'est. Pas. Bon, il est où le Abra? Ils sont par là normalement. Petit Abra, what do you... Ils font grève les Abra. Qu'est-ce que ça annonce? Là il y a un lion électrique énervé. Où sont les Abra? On va y revenir plus tard peut-être. Plus tard. Bon, et juste avant, vu que j'ai appris quand je pouvais casser les cailloux, je le savais même pas. Là-bas, il y a des cailloux à casser par là, là. Au bocage agité. Et le plus rapide, ce serait de revenir dans le centre. Et de passer, hop là, de ce côté. Encore plus de ce côté là-bas. Et d'essayer, d'observer si entre temps il n'y a pas des Pokémon que je n'ai pas attrapés. Et ça c'est une autre affaire. Serpousse j'en ai. Les Arbis ici je les ai tous, donc j'ai pas besoin de... Enfin, je pense les avoir tous du moins. On va voir. Deux flammes quoi, deux flammes sérieux. Attendez, il y a... Paf, par terre. Pourquoi il y a spécifiquement des fleurs ici? Bizarre. Les fleurs en général c'est calculé. Ça m'intrigue un peu quand même. Là, les fleurs sont un peu plus hautes.
très joli, mais c'est pas anodin. Bon. S'il faut, je me plante complètement. Il y a peut-être rien. Bon, ça va. J'ai perdu mon sens de l'orientation. Non, c'est bon, c'est sur la droite. C'est sur la droite. Et là, il y a quoi? Il y a d'autres fleurs là. Vu qu'on a déjà eu un Shaymin dans des fleurs, je me dis que c'est possible d'avoir autre chose. Bon, le caillou a cassé. Y a pas une arène à Pitrini, je vois qu'il y a du miel. J'ai pas l'arène des machins. Scarino, j'en ai. Est-ce que j'ai déjà un Scarino? S. Scarino. Ouais, j'ai déjà un Scarino. Y a pas une arène abeille. Pour l'instant, la reine d'abeille, la seule que j'ai combattue, je l'ai mis KO sans le vouloir. Ça ne m'a pas arrangé du tout. Là, il n'y a pas de flammes, d'accord, hein. Je les ai eu les flammes. Quand on cherche plusieurs choses en même temps, au fur et à mesure, c'est difficile de s'y retrouver. Un gravalanche. Gravalanche, j'ai un doute. Ok. Gravalanche, R. G-R. G-R, gravalanche. Gravalanche, j'en ai. C'est des gros lèmes que j'ai pas. Et là, il y a le caillou que j'ai jamais cassé. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a pas de flamme. Allez, go, Evoli. C'est bien, Evoli, c'est bien. Ça ouvre juste le passage, mais qui sert à rien, vu qu'il n'y avait pas de flamme. J'aurais pu faire le tour au final. Il est content. Oh oui. Il est mignon. Voilà. Alors. Flamme, l'euphorie, j'ai... Flamme. Non, ici, les flammes, je les avais vues. Là, il y avait un Zarbi que j'ai déjà eu. Il me semble que les flammes, je les avais eues aussi. Je crois. Bon, il en manque deux, je sais pas où elles sont. Ça sera pour la... Quand j'irai vraiment, vraiment farm tout ça. Pour l'instant, je sais pas. Il y a quoi en bas? Des Pikachu? Un Pikachu? Viens là, Pikachu. Ah, punaise, il m'a vu. On se casse. Allez Pikachu, tu m'as pas vu. Va-t'en Pikachu. Voilà. Nickel.
l'instant une balade. Eh bien, rentre au bercail. Il va falloir que je refasse des hyperboles par contre, je n'en ai plus énormément. Mais ça part quand même assez vite. Il faut que je soigne quelqu'un. Non. Est-ce qu'il faut que je pose des choses dans le coffre? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut que je vende un truc? La réponse est oui. Ensuite, je souhaite acheter des hyperboles, environ une soixantaine. Ouais, 50. Rappel max. J'en ai 3, rappel 16, potion. Bon, c'est bon, ça devrait aller. Cher professeur. On s'en va. On retourne au village et on va aller voir. Pensez à ou à m'oublier. Y a pas percupion? Non. Revoilà, avez-vous trouvé les plaques? Évidemment, Jack ne fait pas partie du corps des chercheurs pour rien. Ah ben voilà, percupion. Donnez-nous d'autres informations, dites-nous tout sur les plaques, il est beaucoup trop enjoué. Si vous voulez en savoir plus, rapportez-moi du bois. 3 morceaux suffiront. D'accord. J'en ai, je crois, du coup. Faut que je l'ai sur moi. On sort. Il veut du bois. Du bois. Voilà. J'en avais déjà 3. Parfait. Il est beaucoup trop enjoué. Vous allez enfin nous révéler le secret qui se cache derrière ces 3 morceaux de bois. Un secret? Il n'y a rien de tel. J'avais juste besoin d'une nouvelle planche à découper. Hein? Une planche? Mais ce sont des plaques qu'on veut, pas des planches. Je trouve que tu te plains beaucoup. N'as-tu pas du travail à faire pour la compagnie Ginkgo? Pauvre Gino, il doit peiner à gérer un employé tel que toi. Cela dit, tout travail mérite salaire. Je te donne ma vieille planche, Dave. Une planche, c'est une plaque. C'est la plaque Pixie. Du type V. Une autre plaque! Il hallucine. Je veux dire, merci pour cette plaque. Comment cela, une plaque? Laisse-moi l'observer de plus près. Oh, il est vrai que cette planche ressemble à s'y méprendre aux plaques que vous rassemblez. Elle est peu pratique à utiliser à cause des inscriptions gravées dessus. Par contre, les ingrédients que j'ai découpés étaient tous succulents. J'imagine donc que c'était grâce à cette planche, enfin veut dire cette plaque. Ah là 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 là.
Bref, je n'ai plus rien à... je n'ai plus rien de plus à ajouter qu'à vous faire maintenant. On a réussi à réunir un bon nombre de plaques, mais que faire désormais, je ne sais pas trop. Et si nous allions aux ruines du temple céleste? Je trouve, sais qu'on y trouve des statues de Dialga et Palkia. On y trouvera peut-être des indices. Est-ce là un de tes bons prétextes pour délaisser ton travail et visiter des ruines? Enfin bon, cela m'importe peu, allez donc. J'y serais même allé sans votre consentement. Allez, on se retrouve là-bas. Rends-toi vite au temple céleste. Je suis moi aussi curieux de savoir ce que tu y découvriras. Qui sait ce que les ruines des anciennes légendes peuvent nous apprendre? Madame, je voudrais vous parler. C'est tout? Bon, bah direction le temple céleste. Ah, je peux pas y aller comme ça. C'est vrai. Je suis obligé de passer par rusticité, bon, soit. Ça nous fait combien de plaques? 5, 10, 15, 17, 18. 15, 16, 17, pardon, 17. Mais il en manque une. Normal, feu, eau, électrique, plante, vol, sol, poison, combat, glace, psy, insecte, roche, dragon, ténèbres, acier, fée. Attendez, il en manque une. Vol allié. Ouais, vol allié. On l'a vu. Combat. Allié. Il y a 17 types. Attendez. 15, 5, 10, 15. 16, 17. Il y en a 17. Pourquoi j'ai compté 18? Il n'y a pas 18 types de Pokémon? Guide d'aventure. Ah d'accord, il y a des choses que j'avais même pas lues. Sérieux. Il y avait beaucoup de choses que j'avais pas lues. Ok. Les tâches, l'alphabet. Il n'y a plus le tableau des types. Ah voilà. 1, 2, 3. Normal, feu, eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18. Donc qu'est-ce que là, c'est laquelle que j'ai pas vu? Glace? C'est la glace? Bah non, elle est là. Bon, il en manque une. Il en manque bien une. Faut aller là-haut. Mon couronné, 3 flammes. Je sais jamais. Il y a un Voltorb vénère. Par ici. Regarde cette statue brisée. On dirait qu'elle a été gardée loin de celle de Dialga et Palkia, comme mise à l'écart. Tu sais ce qu'elle représente? Bah oui, Arsus. Je m'en doutais. Après tout, tu es un expert en Pokémon, celui qui a réussi à vaincre Dialga et Palkia. Cette statue en piteux état représente un Pokémon qui fut légal de Dialga et Palkia avant d'être banni. Avant d'être banni? C'est une sorte que Giratina?
raté. Donc moi qui pensais que c'était raté. Habité... Ah bah évidemment, perle platine. Habité par une grande violence, ce Pokémon vivait terré dans un monde à l'envers du nôtre, espérant un jour défier Arceus lui-même. Maintenant, dis-moi, si Giratina décidait de s'en prendre à Arceus, où se montrerait-il? Au mont couronné, au temple de Sinnoh. Exactement, le lieu le plus près des cieux où la faille spatio-temporelle est apparue. Et ah, ok, t'étais un méchant. Je trouve pas ça excitant d'être si proche des mystères du monde. Désolé, tout ça me rend plutôt bavard. Depuis mon plus jeune âge, lorsqu'une chose pénible ou triste m'arrivait, je me demandais toujours pourquoi je devais souffrir ainsi. Certes, il n'y a là rien de très original, j'imagine. C'est alors que j'ai décidé de dédier toute mon énergie à ma curiosité et au désir de m'améliorer. J'étais particulièrement attiré par l'histoire, les légendes, les ruines. Je me disais qu'en étudiant tout cela, je pourrais comprendre comment le monde avait été bâti. Et mon rêve était justement de d'utiliser ce savoir pour construire un monde meilleur. Si je parviens à trouver ce monde à l'envers, du nôtre, et à rencontrer l'enfant rebelle du Créateur, alors peut-être que je comprendrai qui est réellement le Grand Sinnoh. Bien, rendez-nous encore une fois au temple de Sinnoh. Dialga et Palkia sont sortis de la faille, n'est-ce pas? C'est donc peut-être là-bas que les pouvoirs des plaques se manifesteront. Mais il m'en manque une. Pardon, hein, j'insiste, mais il me manque une plaque. Oh, faut que j'aille là-haut. La grotte, elle est là-bas. Il y a toujours trois flammes, hein. Si jamais je me fais mon rappel, hein, mais... Ah ben, plus que deux. Plus que deux. Ah là là. Comment j'ai fait pour la rater, celle-là, quoi? Elle était là devant moi. Plus que deux. On a peut-être une au bout, hein. Faudrait que peut-être que j'aille voir la Madame des Flammes aussi au passage. Ça fait un moment que je suis pas allé la voir. La rusticité. J'ai pas changé. Attendez, demi-tour. Qui dit temple dit combat et clairement Evoli là niveau 22 il va pas les combattre. Hein. Il va clairement pas les combattre. Hein. Salut. Evoli 22, non. Si je sortais un légendaire. 70, acier, ténèbres, sol, peut-être Etran. 70, Shaymin. Les criques, ouais, non, eux non. Toi non plus. Quoique. Ah, il y a eu dragon là quand même. Sur Palkia. Dialga, il. Peut-être Dialga. Ouais. Il est 65. Ah, il est 65, il est même pas 70. J'ai pas d'attaque plante. Je vais garder Dialga en stock là. Et on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Oh punaise, c'est vrai que j'ai pas capturé d'Electek. Qui c'est qui m'a aggro? Quoi? Oh là là. J'ai toujours pas capturé d'Electek. Ce serait peut-être temps que je m'en occupe. Il est sur le chemin, faut en profiter. Il me reste pas beaucoup de baies. Allez, bouge. Allez là, approche-toi. Ah. Ah.
Va-t-il manger? Il a pas eu le temps de manger, mais par contre j'ai eu le temps de lancer la balle. Mince! J'ai plus de... Bon! Comment faire pour les attraper de manière la plus discrète possible? Oh punaise! Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. On attend que les dégâts s'estompent. Voilà, là c'est bon. Bon d'accord, ça sert à rien sous le chien en fait. Là, il m'a vu. Il m'a vu aussi. Punaise! Bon, on va aller sur lui. Il avait l'air plus gentil. Il y a un colis là! Un colis! Hop là! Ça c'est fait. Il est un peu loin quand même. Oui, oui, il est même beaucoup loin. Il est très 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 loin. Bon, il m'a vu. Il m'a vu. Je sais pas comment je vais les attraper ceux-là. Ils ont une sensibilité tellement... Le ninja jaune, bonsoir, bonjour, bonne nuit. Je sais pas, il est 7h du matin. Prends ce que tu veux. Installe-toi. Je sais pas si tu vas te coucher. Je ne sais pas si tu te lèves. Installe-toi. Ici Jake, tu es sur Yvason Studio. Et l'histoire principale de Légende Pokémon Arceus est terminée. On est sur du... contenu après le générique du jeu. Voilà. Bon matin. Eh ben bon matin à toi. Petit café, petit thé, petit jus de fruits, petit chocolat peut-être. Ça c'est toi qui vois. J'ai mis mon café il y a quelques temps déjà. Est-ce que vous pensez qu'il va magro? Est-ce que vous pensez qu'il va magro? Je suis nul, mais c'est pas possible. Allez, tourne-toi, 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 retourne-toi. Retourne-toi. C'est bien. Quoi? Comment ça? Au secours! C'est ton anniv? Eh ben écoute, très bon anniversaire à toi, le ninja jaune. Profite bien, c'est ta journée. Tu as presque tous les droits, c'est ta journée. On n'a qu'un anniversaire par an, hein. Faut vraiment faut se vider la tête et profiter au mieux de sa journée. Quoi. Bon, je vais attraper un Electek. J'y arrive pas. Ouais, non, j'y arrive pas. Et si je fais ça? Disons que je lui lance un truc comme ça. Est-ce qu'il va s'approcher? Ah oui, il s'approche. Un peu. Il s'approche un peu. Il s'approche un peu. Ouais, non, il s'en fout complètement. Bon, on verra les Electek et lui là, je sais plus comment il s'appelle, peut-être plus tard. C'est juste que là, ils étaient sur le passage, je me dis je vais essayer. Mais en fait, c'est peut-être pas la meilleure. Quoique, attendez, il est juste là. Non, il s'en fout. Bon, allez, on a un rendez-vous au temple, on y va. J'aurais pu faire un fly directement sur le temple quand même, parce que repasser par cette zone, ça nous fait faire deux chargements, c'est vraiment pas cool. Je ramasse au passage 2-3 compos.
Vu que c'est mon ami, je prends le contrôle de ta chaîne pendant la journée, je crois. Oui, non mais... À la mesure du raisonnable, j'ai dit, attends. C'est pas ma chaîne, c'est une chaîne associative. On est plusieurs. Point d'exclamation Ivasand dans le chat. Vous aurez un petit minimum de détails sur ce qu'est la structure. Voilà. Bon. Je prends le contrôle de ta vie. Oula, t'es mal barré. Hein. Bon, le temple, il est toujours en ruine. Il a pas bougé. Attendez. Ils m'ont mis des flammes et des arbis dans les parages. Non, non, c'est pas possible. C'est pas ici, quand même pas. Non, non. J'ai déjà... Quand c'était pas en ruine, j'ai déjà regardé. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait fallu attendre que ce soit en ruine? Non. On fait confiance au jeu. On fait confiance aux développeurs. Ils sont gentils. Je peux pas mettre de monture en plus. Donc c'est du script. Allez, Percupio, on sait que t'es un méchant. Depuis un bon moment, on sait que t'es méchant. On veut Arceus. Bah, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas pour de suite, Arceus. Hein. C'est pas pour de suite. Hein. Allez. Aucune trace de Giratina. Bah, en même temps, c'est toi qui vas l'invoquer. Quelque chose ne va pas. Bah oui. Il me manque une plaque. Non, en fait, c'est plutôt à moi qu'il faudrait poser la question. Oula. Ça va, Percupio? T'as des problèmes? Tu veux en parler? Je crois qu'il est temps de te dire toute la vérité sur mes intentions. Je le savais, j'en étais sûr. Depuis que j'ai découvert l'existence d'Arceus, je n'ai eu de cesse de vouloir le rencontrer. Voilà pourquoi j'ai cherché Giratina, le Pokémon qui avait défié Arceus. La première étape de mon plan était de le forcer à ouvrir la faille spatio-temporelle. Mais elle est fermée. Ensuite, suivant les informations laissées sur les fresques des ruines, je t'ai fait récupérer les plaques, ces fragments de la divinité. Ces plaques sont au nombre de 18. Ah ben voilà! Je savais que c'était 18! Depuis le début que je le dis! Ah! Tu as pris Palkia ou Dialga? Je peux pas te répondre. Parce que si t'as pas fait l'histoire, je vais te spoil si je te réponds. Donc je suis désolé. Je peux pas te répondre. Enfin, dans un sens, tu vas vite avoir la réponse, en fait. Ce qui signifie qu'il t'en manque une de plaque, n'est-ce pas? Ah, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a la plaque. J'en étais sûr. Allez, vas-y. Montre-nous ta tenue de grand méchant. T'es sorti Dragon Ball Z, toi? De Chevalier du Zodiac? Donne-moi tes plaques, c'est moi qui les réunirai toutes. Je n'en peux plus, je dois rencontrer Arceus. Mon dieu, au secours, il fait tellement flipper. Je sais qu'il faut choisir un clan, soit perle, soit diamant. D'accord, ok. J'ai choisi diamant. Ça, je peux répondre. J'ai choisi diamant. Si j'arrive à le rencontrer, et si j'arrive à le soumettre, alors je pourrai utiliser ses pouvoirs. Afin de créer un monde meilleur. Et pour créer ce nouveau monde parfait, je dois commencer par réduire Issui à néant. Ah ouais? Ah ouais, à ce point? Mais il t'a fait quoi, le monde, en fait, Percupio? Tu t'es persécuté ou quoi? Toi, tes amis, tes Pokémon, vous tomberez tous dans l'oubli. Donc Dialga. C'est plus compliqué que ça. Tu verras. Tu veux mettre un terme à mes plans, j'imagine? Dans ce cas, affronte-moi. Que tu le veuilles ou non, je m'emparerai de ces plaques. Et par la force, s'il le faut. Alors, on n'est pas dans Star Wars. C'est l'heure du combat. Oh punaise, il a 6 Pokémon. Là, par contre, je garantis pas de gagner le combat. Un Spirit Bomb? Bon. Allez, hurle-t'en. Tant! Oh, pas mal. Non mais... bien sûr. Euh...
Je vais essayer de rester concentré sur ce combat, ça va être assez difficile. On sait que tu gagnes, vu que Isui est toujours là dans le futur. Alors, techniquement, historiquement, oui. Enfin, si je perds le combat, je le recommence, c'est clair. Hey, il est tanky, y'a le gars. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que je suis pas sûr de remporter le combat du premier coup. Parce que Percutio, c'est un personnage à qui j'ai fait confiance pendant... Oh, merci, c'est sympa ça. Percutio, c'est un personnage à qui j'ai fait confiance pendant une bonne partie de l'histoire. Et c'est depuis juste avant, on va dire juste avant de choisir entre diamant et perle, on va dire ça comme ça, que j'ai commencé à soupçonner qu'il était pas net. Et jusqu'alors, c'était mon personnage préféré. Et puis là, clairement, maintenant, je sais plus du tout mon personnage préféré. J'imagine, sans te spoil, que tu sais ce qui va se passer avec le Pokémon. Oui. Ah oui, t'as Arcanin, carrément. Allez, on est à 4 et 4 des deux côtés. Ouais, Arcanin, il est... Caninos et Arcanin de Isui, je le trouve vraiment très très beau. D'accord. Roserade. On va jouer Strat. Il va m'empoisonner, j'en ai bien peur. Ou pas. Ah, oh, dommage. Ah bon, ça va, il est brûlé. C'est bon, il brûle. Il est KO. Qu'est-ce qu'il va me sortir? Il a une équipe assez équilibrée. Ouh, Karchakrok. Aïe. Adieu, Typhlosion. Voilà. Oh, punaise, le Karchakrok. Peut-être utiliser un rappel max sur mes Pokémon. La team c'est celle de Cynthia, donc ça veut dire que c'est son ancêtre. Elle avait pas d'arcane, Cynthia. Pas ce souvenir là. Ou alors peut-être dans Perle, mais. Non, même dans Perle alors. Parce que j'ai fait diamant et perle, il y a des deux. Pas d'arcane. Karchakrok, oui, c'est clair. Je m'en souviens bien de son Karchakrok. Je m'en souviens très très bien. Je vais perdre. J'aurais du tempo. Bon, Luxray, tu vas me servir de temporisation. Ok. Rappel max. Sur. Et tout Raptor. Pierre de bombe, Roserade, ouais, ça oui, je m'en souviens. Mais c'est, je pense que c'est des clins d'œil volontaires de la part du dev. Il y a beaucoup de clins d'œil. Oh, dommage. On recommence. Allez, il lui reste un Pokémon. Un Togekiss. Zut. C'est pas bon. Ça. Ça.
Bah ouais, forcément. Un Pokémon vol. Objet, rappel max. Allez, sur Dialga. On a commencé avec Dialga. On va ressortir le Dialga. Oh là 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 là. J'ai eu bien fait de faire le rappel max. Dialga, s'il te plaît, sois tank. Encaisse les coups. Allez, Musteflotte, on y croit. Darkupio est blond et Cynthia est blonde. Oui, mais c'est, pour moi, ça c'est juste du clin d'œil. Peut-être que c'est vrai, hein, c'est son ancêtre, on sait rien, mais pour moi, c'est juste. Ah! Pas mal ça, pas mal. On recommence. C'est fait. C'est fait, c'est fait. C'est assez difficile comme combat, mais ça va, c'était pas pire que le combat de Cynthia dans Diamant et Perle. Ça par contre, sur Diamant et sur Perle, Cynthia, juste son combat, j'ai mis un peu plus de 45 minutes sur les deux versions. Musteboué, il a un niveau supérieur à Typhosi. Comment? Comment est-ce possible? J'ai dévoué ma vie entière à Arceus, l'objet de ma passion, le créateur de l'univers. Quand je pense que j'ai déployé tant d'efforts pour étudier les légendes de cette terre, es-tu tombé de la faille uniquement pour détruire tous mes rêves? C'est l'heure de la revanche. Non, ça va. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ah. Est-ce que tu ressens cette présence extraordinaire qui glace le sang? Cynthia nous aide comme Percupio. C'est vrai, tu as raison. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Giratina décide de se bouger les fesses là maintenant? Il a bouffé Percupio. Allez, Percupio, il va se faire dévorer là. En avant, Giratina, écrase-les! Mais j'ai plus rien en stock, tous mes Pokémon sont KO. Oh là là. Je suis dans une panade pas possible. Comment je fais? J'ai même plus de rappel max. Il me reste que Musteflotte. Oh punaise. Au secours. Le combat, là. Le fameux bon courage. Merci beaucoup, méga. Ça, méga. Ouais, merci. Bon. Oh là là. C'est l'heure d'utiliser un objet. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus rien, j'ai plus rien. Ténèbres, c'est sensible aux ténèbres. Luxray. Au secours. Ouais, de toute façon, j'allais pas heal Musteflotte. Le pauvre là. Allez, Luxray, fais quelque chose. Ou alors je tempo et je reste tout le monde. J'essaye de tempo en faisant du reste sur tout le monde. Sauf s'il me balance. Ouais, mais il va me balancer tout. Ouais, voilà. Allez, au revoir, Lucré. Voilà, ça se fait. Donc, je vais rappeler qui? Pour Raptor. Il me met KO, c'est fini, quoi. Bon, allez, on va tenter. Bah oui, bien sûr, il y a la fumée, j'ai oublié. Allez, c'est fini. Hein? Punaise.
punaise. Je pensais pas que les deux combats allaient s'enchaîner. Je pensais pas. Vous avez perdu le combat. Entraînez vos Pokémon avant de réessayer. Tout le monde est de nouveau en forme. Mais est-ce que je vais me retaper le combat avec Percupio? Je pense que oui. Tu veux un conseil? Oui, vas-y, si tu veux. Ils sont niveau vraiment très en dessous. Très en dessous. Je vais quand même pas sortir les autres légendaires que j'ai eu, quoi. Je tiens à avoir ma team que j'ai eu pendant tout le jeu. Je vais pas sortir les légendaires pété que je viens d'avoir. Parce que je suis sûr qu'on réaffronte pour se retaper Percupio, en fait. Là, il est en mode gros fier, donc oui, il faut se refaire Percupio. Ouais, voilà. Allez, vas-y. Le jeu vient de te dire tu fous la merde en train de tes Pokémon. Oui, mais ça, j'ai lu. Hein. J'ai bien lu. Va XP tes Pokémon 75. J'aime beaucoup la musique du combat. On est vraiment sur des. C'est peut-être les premières touches de piano de des moments importants du jeu, il me semble. Vas-y, c'est la seule guérison que t'as, j'en profite. Ça se fait plaisir. Voilà, Spirit Bomb, c'est fait. C'est maintenant que ça se complique. Lucario, il est balance dans le même ordre. Il fait la même chose. Ça, je sais pas, j'ai pas trop compris pourquoi il a réussi. Luxray, il va me démonter avant. Et je perds peut-être un tour. On va voir. Non mais vous avez peut-être raison, hein. Peut-être que Percupio c'est dans le stade de Cynthia. Ah, ça suffit pas. Ça suffit pas.
punaise. Ok. Et maintenant, le dernier, le Karchak Rock. Ça se voyait grave, on doutait sur Particulo. Le même Pokémon que Cynthia parmi les bonus. Ouais. Oh, vous avez peut-être raison. Il va nous demander. Non. Il faut tempo maintenant. C'est maintenant qu'il faut tempo. Donc, on rappelle Galga. Kadabra, il va se faire démontre. C'est pas grave. Enfin, c'est grave. Qu'est-ce que tu m'envoies de récolter ? Dialga prend des niveaux. Oui, blablabla. Je peux pas le passer? Ah si, c'est bon. Que Dialga. Dialga à moitié. Hein. S'il te plaît, laisse-moi commencer. Bon. Alors, on s'en va. Point sur les missions. J'avais dit que je voulais parler à la femme des flammes. J'ai toujours pas fait le sériflore parce que je ne l'ai pas trouvé. La plaque, bon, ça je vais le laisser en stand-by temporairement. On va rentrer au bivouac. Question XP, on va utiliser ce que j'ai jamais utilisé jusqu'à présent. Mais d'abord, il faut raise tout le monde. Non, tout le monde est déjà raise. Bon, bah tant mieux. Bon, alors, on va réorganiser les boîtes. Je récupère tout ça que j'ai jamais utilisé. Tiens, ça n'a rien à faire là d'ailleurs, je la récupère aussi. Bon, boîte à XP. Moi, c'est le moment d'XP. Il y a Luxcré qui est un peu moins de la moitié. Kadabra un peu plus de la moitié. Dialga qui est pas loin de gagner pas mal d'XP. Il a gagné un niveau même. On va lui donner à Dialga. Encore. Voilà, ça c'est bon. Il a pris un niveau. On va faire ça pour tout le monde. Histoire de terminer les niveaux de chacun. Toi, tu vas falloir le faire trop. Bah allez, go. On va mettre 5. 4. Encore 1. Encore 1. Ok. Nickel. Et tout Raptor, je vais lui donner les derniers. Ensuite, on est sur du XL. Là, on va XL. Ça va peut-être être pour Mustéflotte. Comme ça, il prend le niveau directement.
Ah oui, carrément. Ah oui, c'est plus que... Bon, ça va. M. Peut-être là. Encore. Voilà. Typhlosion. Ah, oh, il lui manque rien à Typhlosion, ça m'embête là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, ici. Voilà. Et là, il m'en reste combien? Il m'en reste 11. Qui est à la bourre? Kadabra est un peu à la bourre. Kadabra est à la bourre. Mais Kadabra, il me sert juste pour de l'hypnose en fait. Je vais peut-être pas lui donner l'XP. Qu'est-ce que vous dites? C'est un mauvais moment à passer. La maman en dire attention, j'avoue. Il faut que Kadabra, Typhlosion et Dialga prennent du niveau car ce sont les meilleurs. Donc Kadabra, vous dites que quand même il a besoin. Ok. Fais confiance. Donc Kadabra, il a besoin. Et ben, je vais lui donner 6. Voilà, encore. Et là, il en reste 2. Et enfin, XPL. Ici. Typhlosion. Typhlosion encore. Typhlosion toujours. Voilà. Il m'en reste 4. Dialga. Ça m'embête d'XP, un légendaire, quoi. Bon, allez, Kadabra. Voilà, il en reste un seul. Non, il m'en reste plus. Ok, nickel. Bon, là, je suis à peu près à jour. C'est des débuts d'XP. Ça me fait permet de pas gaspiller des super bonbons. Donc, j'en ai 7. J'en ai que 7. Un pour Typhlosion. Un pour Lux. Deux pour Luxray. Dialga, 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 Dialga. Dialga, il arrive à tanker un petit peu quand même. Après, si tu veux, j'ai une idée. Si t'aimes bien Karchakrok, tu en veux un car je sais où on peut en trouver très haut niveau. Je suis pas fan de Karchakrok, vraiment. Même sur Pokémon Unite, je l'aime pas. Bon, après, c'est aucun rapport, hein, mais. Bon, il m'en reste 4. Qui va prendre des niveaux? Bah, allez, bah, tout simplement. Typhlosion, 71. Etouraptor, 71. Luxcré, 71. Kadabra, 71. Voilà. Et mes bonbons ont été utilisés correctement. Par contre, il va falloir que je fasse le plein dans les items, parce que là, niveau item, je suis à la ramasse. Mais complet. Bonjour, le marchand. Oui, je vais acheter des choses. Je veux acheter. Bon, les potions, là, c'est le moment où j'ai besoin de guérir tout le monde. D'argent. 15 rappel max, plein de potions, ça devrait aller. Je sauvegardais quand même, ça fait un bon moment. Voilà. C'est un bon Pokémon qui aide beaucoup. On le trouve niveau 85. Niveau 85? Karchakrok 85, c'est beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Bon, lui, il m'embête, il va m'aggro de toute façon. Si je veux passer, il va m'aggro. Allez, c'est cadeau. Voilà, ça fait. Non, sérieusement, je suis à 3 km.
Electek, quoi. Faut vraiment que je te combatte? T'es sûr de vouloir faire ça? Je vais te faire bobo, hein. Il y a 20 niveaux d'écart, 15 niveaux d'écart. Je vais vraiment lui faire mal, hein. Donc autant que j'aille dans le pas efficace. Ah, en plus, il évite l'attaque. D'accord. D'accord. Faut que je revoie mes stratégies. Bon, je voulais le capturer à la base. Hein. Je voulais juste le capturer. Aux terres immaculées. D'accord. Il m'a fait flipper! C'est bon, il me suit pas. Allez, fais demi-tour. C'est bien. Mais c'est... Ah, voilà. Là, on commence à s'entendre. Oui, j'irai me soigner avant quand même. Avant de reprendre le combat. Voilà. C'est bien. Eh bien, un Electek. C'est pas trop tôt. Bon, il y a le baron là qui m'intéresse depuis très longtemps. Salut. Let's go. À l'attaque. Mais... Je peux avoir eu ça, King, le poisson. Oui. Dans l'équipe. Seracroll, j'en ai déjà capturé un. C'est bien, c'est bien. Non, c'est moins bien par contre. C'est pas grave. C'est pas grave. Sortir Dialga contre les câbles. N'importe quoi. Il a évité l'attaque? C'est bon, t'as fini les câbles? Pas très efficace, normalement je le mets pas KO.
C'est pas efficace pour ne pas KO, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais liquide. Mais liquide, j'en ai pas non plus. Oh, il m'a vu, punaise. Ils se battent entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, il me voit plus. Mais par contre, j'aimerais avoir Elekid avec moi. Ça m'arrangerait. J'ai pas capturé d'Elekid encore, je crois pas. Non mais les deux viennent. Voilà, comme ça il m'embête pas. Nickel. Il va me voir. C'est parfait. Redescends. Il y a un Electa qui dort, faut peut-être en profiter. Ça, c'est fait. Et le baron, il est pas revenu forcément. Hein. Quoi, tes flammes, j'en étais où? Deux, il me manque deux flammes. On les a pas trouvées encore. J'en ai un Scorplan. Il me semble que j'en ai déjà. Mais dans le doute. Ah, il s'est endormi en plus. Parfait. Ok, bah, j'en avais juste un. Ça me rassure. Il y a un peu trop de... Ouais. Il n'y a pas des flammes par là. Non. Des match hoppers, tiens donc, ça faisait longtemps. Pas de flammes. Pas les plus longs, je vois plus rien. Là, je pense que pour l'XP, faut que j'aille chercher des barons en fait. Hop. Quelle heure il est? Il est 8h du matin. J'ai le droit à une heure de plus. Après, il va falloir que j'aille bosser. Même si le stream c'est pas un peu. Y'a pas de Scorpan. Où sont les barons? Pour une fois que je cherche les barons, que je les esquive pas. Y'en a un là. Y'en a un là. Qui va réagir? Le baron quoi. Oui, le baron réagit. Sur le nez. Allez, XP, la voilà. Colis là non? Non c'est des bouts de bois. Des incinérateurs, des léviators.
Levenard Baron ou un Leuphorie Baron ou un... Non, c'est un Mélodelf. Il y a un Mélodelf Baron à côté. Ça, je le sais. On va aller lui dire bonjour. Bah, il est pas là ? Sérieux ? Il est pas là. Ah bah zut. Ah, je suis un peu dégoûté là. Je suis un peu dégoûté. On doit être là que la nuit. Là-bas, il y a du baron. Il y a même peut-être des Pokémon que j'ai pas encore attrapé. Bah là, il y a le baron. On va aller lui dire bonjour. Il n'y a pas un Zarbi sur ce truc? Au passage. Non, il y en a pas. Je suis un peu trop près là. Ça passe. Il y a un baron juste en face. Il m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Oh punaise! Il m'a toujours pas vu. Ok, j'ai compris. On se casse. Aïe aïe aïe. Je sais pas si des comme ça j'en avais attrapé aussi, tiens, au passage. Il fait dodo, on en profite. Ah d'accord. Allez, tout à l'heure tu m'as pas vu. Tout à l'heure tu m'as pas vu. Lui oui par contre, il a vu. Faut s'occuper de lui en premier. Ok. Quatox. C'est fait, je n'avais même pas, c'est tant mieux. Ah, ça y est, il a décidé de se battre. S'en aller. Il va aller le manger. Oui. Vite, vite. Punaise.
Hey, la bouée de sauvetage, elle est vénère. Hein. Quand même, c'est pas trop tôt. Alors, ils peuvent tous prendre un niveau au prochain baron. Faut juste bien le choisir. Il n'y en aurait pas un dans la carrière, par hasard. Archéodong, il y a des dessous de plat. Ça c'est fait. Non, il n'y a pas de baron ici. Pris de niveau, ça va venir. Un parasecte, je n'ai pas eu beaucoup des parasectes non plus. Ah, il y a un baron. Il y a un colis aussi. Il y a un papillon baron juste en dessous. Ah, je suis pile en face de lui. Ok, c'est bon, il s'est tourné. Il y a le Nosferalto qui me fait un peu flipper. Il est toujours en bas. Hein. Il veut pas bouger. Dans ce cas, on va aller de l'autre côté. Aïe. Ok, c'est bon. Il y a Nosferalto qui m'a vu. Non. Oh punaise, c'est derrière.
le baron s'est fait. Nickel. Ah non, il manque de l'XP pour qu'ils prennent tous un niveau encore. Il manque de l'XP. Où sont les barons? Pas de flamme au passage, non. On voit plus rien. Les barons, ça se voit de loin quand même. Ça fait du bruit les Pokémon. Il y a un archéo donc baron juste en dessous. Là j'ai fait une bêtise. J'aurais dû viser mieux que ça. Y'a pas un arbitre ces machins d'ailleurs au passage. Il m'en manque pas énormément hein, les derniers arbitres sont pas sympas trop. Bon il s'est calmé l'archéodong. Ok. Allez, ça c'est fait. On s'approche du... Ah bah tu raptor après un niveau. Ah oui mais d'accord, ils m'ont foutu quoi. Dis donc, ça c'est un Pokémon que j'ai pas encore là-bas. Et Onix pareil. Hein. Ça va peut-être me faire les quêtes secondaires qu'il me manque. J'ai plus de quoi. J'ai plus de quoi les nourrir. Ouais, c'est idéal. C'est un baron en plus. Ah non, ça n'est pas. C'est pas le moment. Non. Le Pokémon que je voulais attraper, il s'est barré. Onix, c'est vraiment pas cool ce que t'as fait. Punaise. Bon, il y en a peut-être d'autres dans les parages. Ouais, j'en vois. Oh!
Oh! Oh! Oh! Oh! Ah mince, il m'a vu. Dommage. C'est calmé. Stylix et Onyx Baron, quoi. Allez, Onyx, c'est fait. Bon, j'en avais déjà un, tant mieux. Le Stylix Baron, j'aimerais beaucoup l'avoir par contre. Il va me voir. Il vient dans la même direction, il va forcément me voir. Et il m'a vu. Ok, Eoko attrapé, ça c'est chouette. Et niveau supérieur pour tout le monde, mais pas pour tout le monde. Onyx est de nouveau en bas. Punaise, mais il veut pas faire de se mettre dans le bon sens. Il vient vers moi, mais il m'a vu. Ils ont un détecteur, c'est pas possible. Pas grave, on va y aller. De toute façon, je sais qu'à rusticité, là, j'ai une quête à faire parce que j'ai attrapé Léopo. C'est la mission 85 que j'avais pas faite. Il y a des monsieur mimes aussi qu'il faudrait que j'essaye d'avoir. Tiens, en parlant d'XP, j'en ai un peu là. Ça, c'est à vendre. Non, je voulais pas faire un screen, c'est pas grave. La graine maîtrise, je ne m'en sers pas, je la vends. Voilà. Tout le monde heal. Ouais. Allez, on rentre en Russie, si t'es bon. Oh, attendez, il me manque un Pokémon pour avoir un bonus XP Pokédex. On va attraper n'importe laquelle qui vient là. Voilà. Ah, putain. Ah, il se barre, va.
Il en manque une seule. Voir le bonus. Non mais sérieux. Parasec qui a l'air immobile là-bas. Oui, il dort. Ou pas. Sérieusement? Allez, ça c'est fait. C'est bon professeur, j'ai vu un Pokémon, j'ai mon XP. Hmm, 24 000, pas mal. On rentre en rusticité. Qui m'attend. Un Néoko aurait élu domicile sous le toit d'une des habitations. Il faut trouver loup. Ok. Alors on va mettre ça en plus de suite. Loup, elle est proche. On peut se TP en fait. Hein. On va gagner du temps. Tu appartiens encore des chercheurs, oui. Pourrais-tu m'aider à déloger Léoko qui s'est installé chez moi? Mais pourquoi? Il est mignon. Il s'est suspendu sous mon toit sans que je m'en aperçoive. Heureusement, il semble inoffensif, mais je ne suis pas sereine en sa présence. Les Pokémon me font toujours un petit peu peur, vois-tu. J'en ai parlé à certains propriétaires alentours et la plupart sont d'accord pour l'héberger. J'aimerais donc que tu accompagnes Léoko dans chacune des demeures pour vérifier qu'il s'y sent bien. Tu es probablement mieux placé que moi pour comprendre ce qu'il veut après tout. Commençons par visiter la maison de l'agriculteur près des parcelles. Ok. Ah bah attendez, il y a la madame des flammes. Tant qu'à faire. 3 graines de maîtrise. Il reste... J'ai trouvé toutes les flammes de rusticité. Il reste 2 flammes aux plaines, c'est ce que j'ai noté. 9 au marais carmin, je suis à jour. 5 à la côte, c'est bon. 2 à contrefort couronné et 5... dans les terres immaculées, c'est ça. Non, il fait la tête. La force du vent qui souffle ici semble lui déplaire. On va aller voir Lou, on retourne là-bas. C'est la maison du prof? J'ai toujours pas accès à cette maison d'ailleurs. Que la brise qui souffle chez moi est plus légère et agréable, c'est un connaisseur. Essayons la cabane près de la mer. Oh mais c'est loin.
C'est hyper loin. Pas envie non plus. Parce qu'il n'y a pas d'humain. Il aime donc les endroits animés, comme je le comprends. C'est pas agréable d'avoir la compagnie. Et à la fin, finalement, elle va lui dire qu'il peut rester là, ça va être ça. C'est dojo. Ah, il aime bien. C'est ton Eoko, ça? Je peux m'entraîner avec lui, dis. Non, il veut pas se battre. Non, il a pas envie. Il ne semble pas apprécier les combats. Pauvre chérie, j'aurais dû savoir que tous les Pokémon n'aiment pas forcément combattre. Tu as dû avoir si peur, Eoko, je suis navré. Bon, est-ce qu'il peut rester là? J'ai l'impression qu'il m'a dit que ce n'est pas grave, j'ai bien compris. Ici, nous sommes à la maison de la voisine, elle est quasiment identique. Je peux y arriver, oui? Allez, quand même. Non. En fait, cela me coûte de te dire cela après tous les efforts que j'ai mis en œuvre pour m'aider à déménager Oko, mais je pense le garder à la maison finalement, j'en étais sûr. Grâce à toutes ces péripéties, j'ai appris à mieux connaître Oko et je pense que nous ferons de très bons compagnons tous les deux. J'ai aussi réalisé qu'entendre la petite voix de ce Pokémon venir du plafond faisait d'ores et déjà partie de mon quotidien et je me sentirais bien seul sans elle. J'espère que tu continueras à te plaire dans mon humble demeure. Voilà. Un super bonbon et une pierre soleil. Salut Eoko. Et 3 graines de maîtrise à vendre parce que je ne m'en sers toujours pas. On va acheter des choses quand même. Des hyperboles, il n'y en a plus beaucoup. Et après, on était bon sur les potions et tout ce qui rappelle, on est d'accord. Ouais. Ok. Ah, il y a des cadeaux à valider. Voilà. Ensuite, point mission. Ah ouais, il y a toujours le Seriflore, il y a toujours les flammes. Et il me manque la mission 21 du Monsieur Mime. Monsieur Mime, je ne l'ai pas capturé. Il faudrait que j'aille chercher un Monsieur Mime. Pokédex, je suis à 206 Pokémon sur 242. Par contre, j'en ai que 169 attrapés, j'ai encore du travail. J'ai encore pas mal de travail sur ça. Alors, M. J'ai pas de Levenard ? Oh mince ! J'étais persuadé d'avoir un Levenard. J'ai pas de Lucario. Et j'ai pas le Lumineon non plus.
Punaise. Bon, luminant, je sais où en trouver. Guerriègle. Voilà. Grolem. Gricknod, j'en ai pas. Punaise, je suis passé à côté tout à l'heure. Gwynfrex. J'en ai pas croisé des Gwynfrex. Bon, Giratina, voilà, on sait où est-ce qu'il est. Gardevoir, on sait où est-ce qu'il y a un gardevoir baron. Torsurex, j'en ai pas capturé encore. On sait où est-ce que ça peut être. Pourquoi il y a des tâches qui sont pas validées? C'est bizarre ça. Et les câbles, on l'a vu. Mais c'est... Pourquoi c'est pas validé tout ça? Pourquoi c'est pas checké? On sort de la zone, on a parlé au professeur. Pourquoi c'est pas check? Quand même. On va lui dire deux mots au professeur de rusticité. Karchakrok, salut. Boule de nœud, on sait où est-ce qu'il y en a. Il est en baron. Barbicha, j'en ai déjà croisé, mais je les ai pas attrapés, c'est dommage. Arcanin, bonjour. Faut que je fasse évoluer mon Caninos. Apirène, ça me fout les boules, je l'ai mis KO, j'aurais dû l'attraper. Bon, il y a quand même déjà pas mal à faire en vrai. Alors, on revient sur les M. Monsieur Mime Junior. Plaines obsidiennes, Valferrache et Planiturella. Okay. J'ai un peu de temps ou pas encore? On va parler au professeur parce qu'il y a vraiment des choses qui sont pas normales. Oui. Bon, il est à jour le Pokédex là. Bah non hein. Ça c'est pas checké hein. Ou alors c'est il faut le check que quand on attrape les Pokémon peut-être. C'est pas ouais, c'est une belle paire de manches. Ça. Bon. Je commence à fatiguer, je vous l'avoue. Dans ce qui me reste à faire, il y a la mission du Monsieur Mime. Mais déjà, il faudra attraper un Monsieur Mime. Bon, finir le Pokédex, c'est une chose. Eoko, c'est fait, je peux le barrer. Il y a Giratina, ça faudra que je le fasse la prochaine fois, mais pour ça, j'ai besoin de plus d'XP. Il y aura d'autres missions ensuite. Mission secondaire. La 93 et 94. 80, la 93 elle a été faite. 94 elle est pas là. Donc il me reste la 94 après. Ok. Et après bien sûr l'histoire principale, les tout ça, les flammes, les arbis évidemment. Ok. Ouais je vais m'arrêter là. La suite la semaine prochaine. Peut-être pas de la nuit dimanche à lundi, peut-être plus de la nuit de lundi à mardi, je pense. Comme ça, je fais le endgame de Diamant Étincelant de la nuit dimanche à lundi. Je pense que je vais faire ça, à confirmer. Donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, le Discord, etc. du planning. Ça peut être utile. Hop là, pensez à follow, comme ça vous serez notifié aussi. Rejoignez YouTube si c'est pas fait. Hop là, on va mettre le lien social dans le chat. Robert, merci. Nickel. Donc, si vous n'avez pas rejoint tout ça, c'est le moment de le faire. Ça nous soutiendra. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? On aura du Pokémon Légende d'Arceus sûr et certain. On aura Pokémon Diamant Étincelant parce qu'il faut quand même faire le endgame que je n'ai toujours pas fait. Je me suis arrêté à la ligue, mais il faudrait faire le endgame vite fait. Il y aura du Labyronia avec mon camarade Endo. Draken vous proposera un nouveau jeu, il va partir sur une nouvelle aventure. Et il y aura sûrement d'autres choses au passage. Pour ça, il faudra se tenir au courant. Voilà, c'était Jake pour Ivasan Studio. Je vous laisse là, passez un bon week-end. Passez une bonne journée. YouTube,
fonction de quand vous regardez la vidéo, bah, prenez soin de vous, hein, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Voilà, c'est tout ce que je voulais à vous dire. À très vite. Suivez-nous, ça c'est important. Allez, j'y vais. Cordialement.